coup de Zef sur l'info. Bonjour Zef. Bonjour. Alors aujourd'hui Zef, dites-moi, vous nous rejoignez. On a frôlé l'incident diplomatique en Tunisie. La langue du Premier ministre a fourché hier. Et comment? Je vous explique. Hein. Ouais. Vous ne le savez peut-être pas, mais ouais. Le président tunisien s'appelle Essebsi. Voilà, maintenant vous le savez. Oui. Je suis convaincu que vous en tapez autant qu'avant de le savoir. Non, en tout cas, c'est un fait, il s'appelle comme ça. Et notre Manuel Valls était en visite à Tunis. Oui. Et pour le faire le malin, il a voulu prononcer le nom du susdit président à la tunisienne. Oui. Et il l'a appelé Hezebi. Petite erreur de prononciation, vous allez me dire, une petite coquille. Seulement, Hezebi en tunisien, ça veut dire zizi. Et là, il passe pour un gland, et voilà, c'est fait, hein, comme qui dirait, un prépuce dans le couscous. Pourtant, il paraît que c'était un petit mot concis. Circoncis, vous voulez dire peut-être, hein, parce que c'était de circonstance. Hein. Mais imaginez la tête du président de Tunisie, hein, on était quand même à un petit poil qui se braque, ouais. Et du coup, il aurait dû rentrer dardard, notre Valls, mais ils ont ri. Ah oui. Et oui, ils ont ri, les Tunisiens sont de bonne composition, on croit qu'ils se braquent, ils se marrent. Non mais moi je vous le dis, là il y a danger, hein. Les socialistes ils sont en roue libre, hein. C'est la débandade générale, hein. il faut qu'ils se reprennent, vous savez, ça tient un poil de quiquette un incident diplomatique. Hein. Ça se mesure en gros aux conneries qu'on débite. Hein. Mais Emmanuel, lui, comme son nom l'indique, il fait tout à la main. Ouais. Et à un moment, bah, ça branle dans le manche, et bien sûr, les opposants se gossent. Et les blagues sur le zizi, ça amuse beaucoup le lepéniste. Ouais. Lepéniste qui se dit aussi Hezebi en tunisien. En même temps, quand on se débrouille comme un gland dans une langue, Je ne sais pas si on peut mettre ces deux mots dans une chronique le matin, Zef. Ouais, vous avez raison. Bon, quand on bite rien une langue... Ça non plus, on ne peut pas. Bon, bref, quand on ne pratique pas la langue, on prend des notes, voilà. Bah. Ou alors, on y va carrément à la gauloise. On rentre dans le grand salon, puis on lui dit au président « Salut ma couille, ça pendouille !» Et le président tunisien qui répond « Salut petite bite, ça crépite !» Voilà, comme ça on y est, quoi, je veux dire. Maintenant qu'on sait qu'il est détendu de la nouille, Manuel a remarqué que quand il viendra par ici, il ne faudra pas qu'il s'étonne si on l'appelle Bilout. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. Coup de Zef sur l'info.